Bonjour, vous êtes bien sur la page de la grande vie. Bon, aujourd'hui, me voilà au potager, juste derrière moi. Je vais vous montrer tout ça. Je vais vous montrer ce que j'ai ramené. Et ben voilà. Hein. Oh. Allez, je vous montre tout ça. Alors donc, nous avons mes deux petites parcelles là. Et là où on voit que j'y ai mis des feuilles. J'y ai planté des haricots, des petits pois, des petits trucs comme ça. Voilà, puis je vais vous montrer ce que je vais faire aujourd'hui. Donc, là, j'avais planté un framboisier qui est en train de survivre. Mon pote a fait tomber un arbre dessus. Voilà, parce qu'il a coupé quelques arbres. Bon, bah voilà, on se retrouve tout de suite. Je vous montre. On se retrouve... À l'abri à bois, mon pote, du coup. Là, comme vous pouvez voir, on a fait un peu de bois. Donc, je suis allé acheter ça ce matin. Bon, du coup, un peu de terreau avec ma petite charrette et mon vélo. J'ai pris des petits bacs comme ça. Voilà. Petite bière. Hein. Et je me suis acheté, du coup, alors quelques graines. Donc il y a un peu de tout, je vais peut-être pas tout vous dire. Ça c'est le cadeau que j'ai eu. Des plantes médicinales. Bon allez, je vais tout vous dire. J'ai pris des carottes, des tomates bigarrées Pink Berkeley Tea Day. Des tomates indigo mi-saison persuasion. Tomates cerises, black santiflore hiber trèfle. Concombre en castor. En cachino, carotte mélange arc-en-ciel, piment peu fort, Georgia flamme, piment sentinelle, de la mâche élan, nous avons la roquette sylvetta, nous avons le mélange de courge, et nous avons des haricots mange-tout, reine du nectar, voilà. Et bah merci à Adri qui m'a envoyé, alors attention, attention, de la laitue romaine. Qu'est-ce qu'il m'a envoyé d'autre? Des tomates, des arianka, voilà. Donc il m'a lancé un défi pour les poivrons. Ou je sais plus, enfin tout ça, il veut que je leur fasse des graines, donc on va essayer. Donc voilà, bah, c'est parti, hein. plus qu'à, comme on dit. Comment je fais? Alors, du coup, j'ai pas le tamis pour tamiser la terre, mais elle est très bien. Alors du coup, ce que je fais, c'est que je saupoudre mes petits bacs, voilà, j'enlève les gros bouts au maximum, tac, voilà, on en met bien partout, on voit que dalle. Je vais me mettre comme ça, on verra mieux. Voilà. Donc, je les remplis comme ça. Je tasse pas. Voilà. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc, voilà. Pour l'instant, bah, c'est juste le terreau normal que j'ai acheté là, comme ça. 3 francs le sac, l'ai acheté en Suisse. Voilà. Bon, bah, je continue et je vous montre. Mes petits piments. Donc. Ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre 2 graines par petit truc. Puis comme ça, si les deux elles prennent, bah, je vais les emmêler pour qu'elles ne deviennent plus qu'un. Puis bah si j'ai pas de chance, il n'y en a qu'une qui prend, bah, c'est tant mieux, j'aurais bien prévu. Voilà. Bon bah plus qu'à planter tout ça. Hein. Alors, après avoir semé mes 2 graines dans chaque truc là, tac tac tac, comme je vous ai dit, j'y ai pas tassé. Alors du coup, ce que je vais faire. C'est la même chose que tout à l'heure. Voilà. Juste bien saupoudrer. Voilà. On tient vite fait. Tac. Magnifique. On recouvre tout bien. Donc là, ce que je vais faire, je vais tasser un tout petit peu. Voilà, comme ça. Puis plus qu'à arroser un tout petit coup. Puis voilà. Ça fera. Bon. Les piments, c'est fait. Bon,
Je vais planter tout ça de tomates. Voilà. Deux bacs. Hop, c'est parti. Donc je vais passer au semis de monsieur Adrinomade qui m'a envoyé. Là, j'ai prévu un bac spécialement. Bon, ben, on va le remplir. Hein. Toujours pareil. Puis après, ben, on va passer à ceux en pleine terre. Vous vous rappelez des fenêtres de la cabane? Voilà. Ben, je les ai démontées. Et voici les vitres. Donc je vous montre tout de suite comment on fait. Alors voilà. J'ai fait une sorte de mini serre. Survivre, maintenant je me relève. La tâche est loin d'être facile. Comment renaître de mes cendres? Mon cœur est doux, mais pas docile. Alors je chante pour me défendre. La paix dans l'âme, je prends la route, marchant hors des passages cloutés. Rien ne peut plus mettre en doute cette folle envie de liberté. Mes chaînes sont brisées, je veux courir et parcourir le monde. Mon regard s'est levé vers l'avenir. Je vivrai chaque seconde et je serai cet homme libre qui réalise ses rêves. J'entends ce rythme qui me délivre. Un nouveau jour se lève. Planté, vous avez peut-être vu ce petit bac. Voilà, j'ai mis un peu de graines de tout. Voilà, donc je vais y laisser comme ça et je pense que je vais y planter dans un coin par là. On verra bien, voir si ça pousse. Donc voilà. Bon, maintenant je vais aller chercher un peu de feuilles un peu plus loin dans les bois là-bas. Je vais bien pailler avant, je vais bien arroser partout. Puis bon, bah voilà, hein. Ça fait déjà une parcelle sur les deux de planter. On se retrouve pour l'arrosage. Donc, pour ceux qui se demandent comment je fais pour l'eau, je vais vous montrer ça tout de suite. Ah. Déjà mon pote. Tac. Là, on a le puits. Voilà. Et y a plus qu'à.
Bon alors voilà, fini. J'ai bien mis une bonne couche de feuilles. Petit récapitulatif. J'ai planté plein de choses en godet. Hein. Les piments, les tomates, plein de sortes de tomates, les laitues, les trucs à riz aussi. En pleine terre, nous avons du concombre, des carottes, un mélange de carottes arc-en-ciel, plus un autre truc de carottes, des haricots mange-tout, j'ai fait un mélange de mâche et de roquette, et de un mélange de courge. Voilà tout ce qu'il y a, à peu près. Enfin, vous y avez vu au fur et à mesure. Donc voilà, je précise que c'est la première année que je fais le potager. Je m'y connais un peu en plantes, mais pas celle-ci, voilà. Du coup, les légumes, tout ça, c'est ma première fois. Voilà, j'ai déjà vu des gens y faire, mon pote l'année dernière y faire déjà. Donc voilà, c'est de l'expérimentation. Si vous avez des conseils, je prends. Si vous en avez pas, tant pis. Voilà. On verra bien ce que ça donne. C'est sans se prendre la tête. J'ai dû acheter tout ça de graines, 50€, je crois, avec. La livraison, j'ai payé 12€ de livraison. Au moins, ça arrivait vite. En deux jours, c'était là. Voilà. Hein. Après y avoir planté en pleine terre, j'ai bien arrosé. J'ai mis une bonne couche de feuilles. Voilà. Que vous dire de plus? La petite serre, vous l'avez vue. Voilà. Je peux pas trop vous montrer le terrain. Parce que je suis sur le terrain, mon pote. Il veut pas spécialement que je fasse une vidéo sur sa cabane. Elle n'est pas finie malgré qu'elle soit magnifique. Je vous la montre. Ça a coupé. C'est Dieu, il a dit non, monte pas la cabane. Voilà, je vous la montre quand même. C'est pas grave. Donc, j'arrête pas de couper la vidéo. C'est pas grave, je mettrai ça au montage. Donc, merci d'être passé. Voilà. Merci. Hein, ça fait plaisir. Dites-moi si vous avez des conseils, je prends parce que je suis novice, mais je prends les conseils de tout le monde, donc je commence un tout petit peu à connaître. Puis voilà, hein, à très vite pour une nouvelle vidéo, je sais pas quand, je sais pas qui, je sais pas quand, pourquoi, voilà. Allez, peace!